Et aujourd'hui, c'est le journal créatif numéro 50. C'est la 55e semaine que je vous fais le journal créatif. Alors, petite semaine. Je vous le dis à l'avance, c'était une petite semaine. Mais je vous explique tout. D'abord, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles qui se sont abonnés cette semaine à ma chaîne. Je vous en remercie. Et j'espère que les vidéos que vous pouvez regarder vous plaisent. Alors, comme d'habitude, je vais expliquer un petit peu ce que c'est le journal créatif, pour, ben justement pour les nouveaux. Je vous montre ce que j'ai fait tout au long de ma semaine, que ce soit en broderie, en tricot, en crochet, ou tout autre loisir créatif que j'aurais pu faire dans la semaine. Alors, petite semaine. Parce qu'on a, bougé un peu plus que d'habitude cette semaine. On a été dans le supermarché et tout ça. J'ai dû aller aussi chez le vétérinaire pour Géry. Rien de grave, je vous rassure. Bon, d'abord c'était pour couper ses ongles. parce que ça, j'aime pas le faire et il aime pas que je lui fais de toute façon, donc voilà. Puis bon, la veto est quand même, a plus l'habitude, donc elle en moins de deux, c'est fait. Et ça faisait une semaine qu'il se grattait, mais alors d'une force. Alors Géry, c'est mon Yorkshire, hein. Voilà. Si j'y pense, je vous mettrai une petite photo. Oui, donc il se grattait, mais alors d'une force, mais ça lui arrive tous les ans. Bon, il a une peau un petit peu fragile quand même, voilà mes mères, ma fille. Et donc je lui avais donné une douche pour voir s'il n'y avait pas des puces, hein, on ne sait jamais. Et bon, pas de puces. Et mais, même après la douche, tout, il a continué à se gratter énormément, donc j'ai téléphoné au veto. Et donc j'y suis allée et elle m'a expliqué que c'est la période des aoutas et donc c'est des petites bêtes vraiment microscopiques qu'on ne peut pas voir et donc elle pense que c'est que ça devait être ça et elle lui a du coup elle lui a fait une piqûre pour calmer les démangeaisons et youpi, la piqûre a fait effet. Donc là, ça va, il ne se gratte plus, à part une fois ou deux, comme, bah, comme tous les chiens. Hein. Mais sinon, voilà, les grosses démangeaisons sont terminées, on est tranquille. Mais il s'était même blessé à une, petite, à une de ses pattes, tellement il avait gratté, donc j'avais fait, je l'avais soigné avec la bétaline. Et là, c'est pareil, à sa patte, il n'a plus rien, tout est redevenu normal. Donc voilà. Bon, donc... Il y a déjà eu le veto. Hein? Le veto. En même temps, que j'ai Fifi là, j'ai parlé à ma veto pour Fifi. Parce que, bon, vous voyez, elle a quand même un poil assez fourni. Moi, je la brosse hein, régulièrement. Mais là, maintenant, elle attrape des très gros nœuds. Et ça, je n'arrive plus à lui enlever, à moins de les couper. Mais... elle se laisse pas faire. Du coup, là, j'ai demandé si elle connaissait un toiletteur qui s'occupait des chats, parce que tous les toiletteurs ne font pas les chats. Et elle, bon,
Elle n'a jamais été chez un toiletteur, elle n'a jamais pris de bain. Voilà, il n'y a que moi qui m'en occupe, qui lui donne la brosse, le peigne. Vous voyez, on voit son poil, il n'est pas très, très beau, très beau en ce moment. Puis avec la chaleur, je sais pas, ça doit transpirer aussi un chat, je pense. Et du coup, elle a des grosses boules de poils, surtout sur le ventre. Et le ventre, elle ne veut pas que j'y touche, et j'arrive pas. Donc là, je vais aller cette semaine voir le toiletteur, en parler avec lui, parce que bon, elle n'est pas méchante, hein, vous le voyez bien, hein, c'est d'une douceur incroyable, mais au niveau du toilettage, ça va être du costaud. Alors j'espère qu'il va pas me la raser. Bon, s'il rase le ventre, c'est pas grave, mais bon, au-dessus, il n'y a pas de nœud, donc il n'y a pas lieu de la raser, hein. Et puis je voudrais pas. Donc on verra. Ben je vous en reparlerai dès que j'aurai vu le toiletteur. Et puis si elle est passée chez le toiletteur, je vous en reparlerai. Voilà. Bon, je ferme les parenthèses, hein, ça n'avait rien à voir. Oui, donc on a été aussi faire quelques courses et j'ai profité des soldes aussi. Comme je vous avais dit, moi les vêtements, c'est pas vraiment ma priorité, hein. Pas le maquillage, les chaussures, les sacs à main, tout ça, je m'en fous un petit peu. Mais avec le poids que j'ai pris, ben, le peu que j'ai, ça rentre plus non plus, hein. Du coup, je dis, on va profiter des soldes parce qu'il n'est pas question non plus que j'achète des vêtements hors solde. Voilà. Je suis pas radin, mais bon, si je peux les avoir à moindre prix, c'est mieux. Et on avait été chez Gémeaux, j'avais pris des vêtements. Et moi, les vêtements, c'est très, très, très rare que je les essaye dans les magasins. Ça m'énerve. J'aime pas. Puis il y a du monde, tout ça. Donc, je les ai essayés à la maison. Pourtant, j'ai pris taille 50. Mais non, Fifi, s'il te plaît. Mais ça coinçait un peu. Donc, même Chouchou, il a dit. Ça sert un peu, non, je dis ouais, t'as raison. Donc on ira les rechanger. Et j'ai remarqué que donc j'avais pris deux chemises longues, vous savez, en taille 50, mais au rayon de taille normale. Voilà. Et donc là, on y a été échanger et j'ai pris des vêtements dans le rayon grande taille, là. Donc là, ils vont très bien. Mais c'est la même taille, c'est du 50. Donc 50 en rayon normal et 50 en grande taille, c'est pas la même chose. Bon, vous en foutez, hein. Et puis on a été chez Decathlon aussi, parce que ben, moi j'aime bien mettre à la maison, vous savez, c'est comme un jogging, un pantalon un peu fitness. J'aime bien être à l'aise et c'est pareil, mon pantalon il commençait à me serrer énormément et puis il commençait à avoir des petits trous. Donc j'ai dit on va profiter aussi. Donc on a été chez Decathlon, on a été à Carrefour, on a été à Auchan, on a été chez Gémeaux, on a fait la tournée des Grands-Ducs. Donc ben moi pendant ce temps-là j'ai pas brodé. Voilà. Et ici depuis 2 jours il fait une chaleur. Alors c'est tout rien, il n'y a plus pendant des jours, des jours, des jours, des jours. Et là depuis 2 jours il fait une chaleur incroyable. Cet après-midi on a eu 37. Sur mon ordinateur, dans ma ville à moi, c'était marqué 37. Fait chaud pour broder. Donc voilà. Du coup, petite semaine de broderie. Alors, je ne pense pas qu'on fera les 2 heures aujourd'hui. Je ne pense pas. Bon, Fifi est assise sur mon carnet. Mais on va se débrouiller. Alors, et en tricot, je vous expliquerai quelque chose. On va commencer par la broderie, comme d'habitude. Bah, je vais commencer par les estampés. Voilà, comme ça c'est fait. On les range. En estampé, j'ai. Hop là. J'ai bien avancé. Enfin, oui, je trouve que j'ai bien avancé. La jupe de ma dame celtique.
voilà, de Noël. Je vous la remontre en entier pour ceux qui ne connaissent pas le modèle. Voilà. Alors, désolé, il y a du vent. Il y a le vent. Alors, vous allez peut-être entendre du bruit. J'espère que ça ne va pas vous déranger. Mais il y a le ventilo. Hein. C'est obligé. Hein. Oui, allez, bouge ma fifi. Hop. Voilà, merci. Donc, voilà. J'ai, alors, sans parler, alors, tout ce qui est jaune, c'est ce qui se brode en doré. Hein. C'est pas terminé, vous le savez. Donc, à part quelques lignes là, vous voyez, on dirait que c'est blanc. Voilà, il y a juste ces petites lignes là qui ne sont pas encore faites, mais sinon, voilà. J'adore le rendu. Moi, c'est très très rare que j'aime les rendus d'estampés. Mais là, j'aime vraiment beaucoup le rendu de sa jupe. On voit bien le drapé et tout. Il est vraiment très très beau. Donc celle-là, elle avance très bien. Celle-ci, alors j'ai fait 450 croix, plus ou moins 450. Parce que bon, c'est vrai que sur un estampé, c'est un peu plus difficile pour compter les points, hein, parce que ben, ils ne sont pas sur la tablette. Mais voilà, mais j'aime vraiment beaucoup. Je vous montre de plus près. Voilà. Alors là, on voit que le doré est fait, voyez. Donc, il y a encore des perles à mettre aussi hein, dans la jupe. Ça, les perles, de toute façon, je vais les mettre en dernier. J'avais commencé au début à les mettre, mais je vais le faire en dernier, les perles. Voilà. Et donc, ici, j'avais commencé aussi un petit peu le doré. Je vous l'avais déjà montré ben, la semaine dernière, je crois. Voilà. Donc là, tout ce qui est en jaune, ça va être du doré. Là, il me reste à finir le bas de la robe. Voilà, ça, c'est pas terminé. Mais ça va, ça va aller assez vite à faire. Non, attendez, où je suis? Non, là, c'est fait. Non, c'est là que c'est pas fait. Le petit bout ici. Voilà. Donc, alors, avant de continuer le personnage, bon, je vais finir sa jupe, là. Hein, les lignes qui sont là. Et je pense que je vais attaquer ça. Et puis ça, comme ça, toute cette partie-là sera terminée. On verra si je continue, si j'ai le temps de faire le doré. Comme je vous avais dit, je pense que le doré, je vais le faire un petit peu à la fois parce que c'est un peu plus compliqué à broder puisque c'est un fil métallique. Et là, moi, j'utilise le fil DMC diamant. Donc, c'est des bobines pour le faire, parce que le fil qui était donné avec ça, il est de très mauvaise qualité, et c'est une horreur à broder, donc voilà. Mais j'aime beaucoup le rendu. Qui sait, elle sera peut-être finie pour Noël. On ne sait pas. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Voilà, donc ça, c'est bon. Et j'ai quand même travaillé, bon là un petit peu, j'ai fait un peu moins mon cerf. Alors c'est pareil, je vais vous montrer le dessin pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Hop. Donc là, je re-enroule, c'est plus pratique. Voilà, et voilà. Donc, cette semaine, j'ai continué à avancer. Alors, elle était à moitié la dernière fois. J'ai continué à avancer. Donc là, il me reste un petit bout de gris à faire. Voilà. Et donc, tout le gris de cette partie-là sera terminé. Voilà. Donc, je vous montre en regardant derrière, vous verriez mieux. Alors, étonnamment, je vous montrerai un arrière de broderie de point compté, mais en estampé c'est toujours plus joli. pardon, mes estampés sont toujours plus jolis à l'arrière parce que mes estampés, je travaille comme ça, pas de cadre, rien, je travaille que sur le dessus.
Et ce qui fait que ça fait un point régulier derrière. Enfin, à peu près, mais ouais, si, c'est quand même assez régulier. Vous voyez. J'aime beaucoup le faire celui-là. Bah, c'est du bloc. Hein. Donc, c'est de la zéro cerveau, vraiment. Celle-là, j'aime bien la faire. Alors, soit je la fais quand je fais le montage de ma vidéo le dimanche matin, ou je la fais le soir. Quand j'ai pas envie de tricoter ou quoi, bah, des fois je prends celle-là. Et puis devant la télé, en avant Guingamp. Alors, celle-ci, j'ai fait. Je l'ai mis où? Où l'ai-je mis? Ah, j'ai mis là. J'ai fait plus ou moins 250. Voilà. J'ai fait plus ou moins 250. Donc, je suis contente. Mes deux estampés avancent. Bon, là, la dame celtique avance très bien. Le cerf avance doucement. Et je pense que cette semaine, je prendrai le cheval. Vous avez dû voir la photo en début de vidéo. Parce que bon, bah lui, c'est pareil, il n'y a plus grand-chose à faire dessus. Donc, cette semaine, je ferai peut-être sur le cheval. On verra. Alors, hop, ça, je vous l'ai montré. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, celui-là aussi, je vous l'ai montré. Maintenant que je vous ai montré les estampés, la bonne nouvelle, c'est que j'ai fini une broderie. Alors, certaines d'entre vous l'ont déjà vu, puisque je l'ai partagé sur mon groupe, je l'ai partagé sur mon Instagram, je l'ai partagé partout. J'étais tellement contente, je l'ai partagé partout. Alors, attendez. Oups, il y a un peu de poussière, je ne l'ai pas encore mis au mur. Je ne sais pas encore où le mettre. Mais voilà. J'ai terminé mon. Alors attendez, je vais peut-être, si je baisse la lumière là, est-ce que vous voyez? Oh non, c'est encore pire. Alors on remet la lumière. Voilà, j'ai terminé mon fan. Non, Fifi, s'il te plaît. T'aimes pas mon fan? Il te plaît pas? Tu peux descendre? Oh oui, on fait des câlins à maman, on fait des bisous sur maman. Vous savez comment aller, hein. Voilà, donc je suis trop, trop, trop contente. Alors là, j'ai fait celle-ci. Je l'ai faite quand? Mercredi. Et je n'ai fait que celle-là. Je voulais absolument la terminer. J'ai dit, je ne lèverai pas mon nez de ma broderie tant qu'elle n'est pas finie. J'ai fini. Bon, il y a eu 2, 3, 4, bon, peut-être un peu plus, peut-être des points à droite, à gauche qui ne sont pas là où ils devraient être, mais ça ne se voit pas. Voilà. Mais il est trop beau. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce modèle, c'est un modèle de la boutique Poussière d'Étoile. Donc, c'est un modèle de chez Sabine. On l'avait fait en salle mystère. Voilà. Donc, il est commencé depuis le 15 octobre de l'année dernière. Donc, oh, comme je disais, Fifi, allez, s'il te plaît, mon bébé. Allez, bouge, 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 bouge. Comme je disais, bah, j'ai mis 9 mois. Pile en plus. Hein. Parce que, enfin, presque à 2 jours près, puisque on était le 17 mercredi. Donc, j'ai accouché de ma broderie au bout de 9 mois. Et je l'ai encadré le jour même. J'ai fait encadrement. J'ai tout. Alors, je vous jure, je voulais absolument la finir de A à Z. J'ai dit, celle-là, elle ne repart pas dans une pochette ni rien. Hop. Donc là, j'ai plus qu'à la mettre au mur. Je vais regarder demain où est-ce qu'on va la mettre. Mais je l'adore. Il est magnifique. Donc vous pouvez retrouver cette grille hein, sur la boutique de Sabine. Voilà. Oh, Fifi, pitié.
Allez, descends, mon bébé, descends. Non, il n'y a pas de... Aujourd'hui, quand elle a décidé un truc, c'est comme ça. oui, je profite d'ailleurs en parlant de la boutique Poussière d'Étoiles. Alors, c'est pareil, je voulais partager aujourd'hui partout, mais je le redis en vidéo. Je voulais même partager dans la communauté. Sabine organise un concours. Alors attendez, je vais sur son Instagram. C'est sur Instagram qu'elle fait le concours. Alors, allez, mais Fifi, range ta queue. Ça vient. Tu vois, ma tablette est longue en ce moment. En plus, hier, avec le bug mondial qu'il y a eu, l'informatique, il paraît que moi, je suis chez Free, on n'avait plus rien, plus d'Internet, plus de télé, plus rien. Mais il paraît que ça n'a rien à voir avec le bug mondial qu'il y a eu hier. Mais bon, j'ai un doute. Bon, si ça veut s'ouvrir. Arrête de bouger ta queue, tu bouges sur ma tablette. Bon, vous allez voir que ça ne veut pas. Ah oh là là. Bon, bah écoutez, on va attendre que ça s'ouvre. Ah, voilà. Ça y est. Non, pas ça. Ça y est. Ouf, c'est marqué. Ah, je vous jure. Alors, donc, il y a un concours sur l'Instagram de Poussière d'Étoiles. Donc, là, le nom sur Instagram, c'est tout collé, hein. Poussière d'Étoiles, donc toile avec un S, PDT. Voilà, mais je vous remettrai en barre d'infos. Donc, elle organise un concours qui aura lieu jusqu'à dimanche soir, ce dimanche, je crois. Je ne sais plus. Range-moi ta queue. c'est là. Alors, le groupe. Ici. Je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. Voilà, ça y est. Donc, non, ça y est pas. Alors, c'est un très gros lot. Il y a deux grilles de broderie, il y a des toiles, il y a des fils, il y a des bonbons, il y a des aimants, il y a des stickers holographiques. Il y a des petits cadeaux supplémentaires, voilà. Qu'est-ce que je vois encore dessus? Il y a un petit marque-page en bois que vous pouvez décorer vous-même. Il y a vraiment plein plein de choses. Et donc vous pouvez, alors pour participer au concours, il faut être abonné à son compte Instagram, ça c'est normal. Vous devez inviter une amie. Et il y a une question auquel il faut répondre pour avoir une chance de plus pour gagner. Quelle tête! Et le tirage au sort aura lieu le dimanche 28 juillet à 17 h. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur l'Instagram de Sabine, de Poussière d'Étoiles. Le concours est ouvert au monde entier. Donc que vous habitiez en Espagne, en Italie, au Canada, partout. En France, bien sûr, le concours est ouvert à tout le monde. Voilà. Je referme les parenthèses, mais c'était très important de le dire. Également, une autre offre qu'il y a chez Poussière d'Étoiles en ce moment, pour l'achat de trois. Alors, excusez-moi, c'est parce que je le lis en même temps. Hein. Pour l'achat de trois toiles à broder. Un trifil d'une valeur de 7,50 € vous sera offert. Voilà. Donc, le modèle sera aléatoire, hein, bien sûr. Mais voilà, vous avez quand même un trifil d'une valeur de 7,50 € pour l'achat de trois toiles. Alors ça, c'est valable donc du 19, donc le 19, c'était hier, du 19 juillet au 25 juillet. Après, il sera trop tard. Voilà. J'ai donné toute la... L'actualité de Sabine du moment. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses, malgré que les actualités de Sabine sont très sérieuses.
Voilà. Bon, Fifi, maintenant. Poup, poup, allez. Voilà, merci. Nouvelle broderie que j'ai commencé, mais que je vous en avais parlé. Alors, est-ce que j'ai le dessin? Oui. Alors, je m'excuse pour la semaine dernière. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de problème cette semaine. La semaine dernière, j'ai monté ma vidéo. J'avais mis toutes les photos, comme je fais d'habitude, pour vous montrer mes avancées, les avancées, mettre la photo d'avant et tout. Et, je sais pas, ça a bugué. Mes photos ont disparu et j'ai plus moyen de les remettre. Donc, je n'ai pas assisté, hein, sinon vous auriez eu la vidéo vraiment très tard. Donc, j'espère que ça n'arrivera pas encore cette semaine. Mais si jamais vous ne voyez pas les photos avant, après, je m'en excuse par avance. Mais bon, on va croiser les doigts. J'espère que ça ira. Alors, j'ai commencé mon... avec le vent, mon long dog sampler, donc c'est le Two Mains Maurice, voilà, Maurice, à la française. donc voilà, c'est le modèle. Alors c'est un modèle que je fais en trio avec Sonia de la chaîne Diamant Rose et avec Geneviève, donc qui font partie toutes les deux de mon petit gang des Québécoises, comme je les appelle. Là, je brode. J'ai commencé à broder donc sur une toile de lin, exceptionnellement. C'est la deuxième que je fais sur une toile de lin. Donc là, c'est une 16 fils. Et donc, avec la marge, hein, avec les 5 cm de marge, c'est un modèle qui va me faire 47 cm sur 44. Voilà. Je le brode également avec, alors là j'ai pas les chevettes, mais je l'ai sur mon, hein, vous avez compris. Alors à la base, quand j'ai fait la préparation de la toile, je vous avais fait une vidéo là il y a 2-3 jours avant, j'avais mis sur un trifil, mais en fin de compte je l'ai enlevé et je l'ai mis là-dessus. Donc voilà, ça c'est un fil DMC, c'est le fil multicolore. Alors ce n'est pas le fil variation. J'ai eu dans les commentaires, ouais j'aime bien les variations, tout ça. Non, non, ça ce n'est pas le fil variation, c'est le fil multicolore, ça s'appelle comme ça. Alors je ne sais pas trop la différence entre les deux, mais il doit y en avoir une. Il faudra que je me renseigne, que je regarde pourquoi. Mais voilà, celle-là, donc c'est le fil multicolore, voilà, de chez DMC. Et cette couleur-là, c'est... Elle a décidé aujourd'hui, hein. son nom, c'est Nuit Canadienne. Et comme je le brode avec deux Québécoises, ben, ça tombait bien. Mais il est vraiment super beau. Très très beau. Et quand je l'ai vu, j'ai vraiment craqué dessus, et j'avais craqué dessus quand j'ai vu le nom de la couleur. Alors bon, c'est le début, hein. ça je l'ai fait hier, pendant la panne de télé et d'internet. Du coup j'ai regardé une vidéo d'Amélie de Dazing et Diamant. J'ai regardé son Flosstube hier soir, du coup, en brodant, mais sur mon téléphone. D'habitude, je regarde sur la télé, donc l'écran était un peu plus... Bon, Fifi, maman, elle va se fâcher. Ça m'étonnerait, mais bon. T'as fini. Ben, va voir là-bas si tu veux regarder quelque chose. Je voudrais montrer. Alors, voilà ce que j'ai fait, déjà. Alors là, il y a... 404 croix de fête. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir les nuances. Ah, comme ça. Voilà. Là, on les voit bien. Vous voyez? Donc, mais... je ne voulais plus m'arrêter. Ah, je n'avais pas envie de m'arrêter. Je crois que le modèle, je vais l'adorer du début à la fin. J'avais vraiment pas envie de m'arrêter.
Je brodais. Et à un moment, j'ai regardé l'heure, je suis bon, on va peut-être arrêter. J'ai arrêté de broder, il était quoi, 11h30 du soir. Donc voilà. Alors j'avais fait déjà une petite partie, là je crois, et je vous dis, je l'ai terminée dans la soirée. J'aime vraiment beaucoup ce fil, il est très très beau. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, avec les fils comme ça, et avec les variations également justement, donc que vous preniez le multicolore, le variation, le Valdani, c'est un fil italien, donc qui est pareil avec des nuances comme ça, vous devez obligatoirement broder avec deux fils, mais deux vrais fils, hein, faut pas le plier en deux, surtout pas, vous prenez deux longueurs de fil. Et alors faites bien attention que vos deux fils soient aussi dans le bon sens, dans le même sens de couleur. Hein. Si vous voyez que ça commence, comme ici, ça commence par un noir et à la fin, par exemple, ça finit par le violet, bon, bah, mettez bien les deux fils noirs en haut et les deux violets en bas. C'est peut-être con d'expliquer ça, mais bon. Et pour broder donc avec ce style de fil, il faut broder des croix complète. Je m'explique. Des fois, on travaille en demi-croix et puis hop, on remonte, on ferme notre croix. Là, non, vous allez faire votre croix en entier. Après, vous allez faire la deuxième croix en entier. Je peux pas, il y a des fantômes. La troisième croix en entier. Il faut travailler par croix entière. Voilà. Vous ne devez pas faire des demi-croix et revenir dessus après. Sinon, ben, la nuance, vous ne l'aurez pas. Voilà. Donc là, on travaille avec deux fils et par croix entière. Donc là, moi, je vous ai dit, c'est une étamine. J'ai tellement l'habitude de faire des étamines. C'est une toile de lin. Voilà. Donc c'est une 16 fils. La couleur, par contre, je ne sais plus ce que c'est comme couleur. Je vais vous dire ça. Je vous l'ai dit, il faut que je me fais un petit carnet avec mes toiles. J'ai pas mon carnet de broderie, il est pas à jour. Il faut que je mette à jour. Alors, je vais regarder. Hop, voilà. Le temps que ça s'ouvre. Mais ça faisait des années que je n'avais pas brodé sur du lin. Et j'y reprends goût. Alors, le lin peut faire peur des fois. Mais si vous avez déjà brodé de l'étamine, c'est pas plus compliqué. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Mais c'est pas plus compliqué. Et là, bon, c'est une 16 fils, hein, mais il y en a qui sont moins fines. Hein, donc. Si vous voulez essayer, par exemple, avec un lin, vous pouvez prendre un 14 fils, un 12 fils. Oh, ben alors, je crois que c'est le ventilo qui me. Mais si je l'enlève, je vais être en nage. Donc, je préfère pas. Alors, je crois que c'est celle-là de commande. Non, c'est pas celle-là. J'ai commandé quand celle-là? Ici peut-être? Alors, Guillaume, ça c'est les fils, les fils, les fils, les fils. Non, c'est pas celui-là. Moi, tu as mes charmes, je pense. Alors, c'est peut-être celle-là. Bon, si je trouve pas, c'est pas grave. Mais c'est parce que je voudrais vous dire exactement. Non, là c'est le lin argent, lune argentée, donc c'est pas celui-là. Bah mince, je l'ai commandé si loin que ça, celle-là. Je suis désolée, hein, mais c'est parce que je veux essayer de vous donner le détail. Non, bah je le trouve plus. Je ne le trouve plus. Désolée. Voilà, c'est pas là que je l'ai acheté. Là, je suis en train de regarder sur la boutique de mère en fille.
J'ai l'impression que c'est pas là que je l'ai acheté. J'ai un bug. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est presque blanc. Mais je ne saurais plus vous dire la couleur exacte. Voilà. Parce que... Donc, voilà. Donc, je vous avais dit, j'ai fait donc 404 croix. Et donc, j'en suis à 1,06%. J'ai encore du taf. Hein. Mais j'aime vraiment beaucoup ce modèle. Voilà. Ensuite, donc celui-là, c'est mon, c'est vu. Ma grenouille. J'ai travaillé sur ma grenouille. Donc la grenouille, c'est un modèle de poussière d'étoile également. Voilà, que vous pouvez retrouver dans sa boutique. Et oh, c'est quoi ça? Hop, il y a un fil qui se promène. Et mon aiguille qui se promène. Oh là là. Ah non, elle est là, c'est bon. Hop. Donc voilà, excusez-moi. Donc j'ai travaillé, j'ai continué à travailler la fleur ici. Donc il y a eu quelques points là aussi. Il y en a eu un petit peu là. Pour finir mon aiguillé, vous savez. Voilà. Donc là aussi, j'ai avancé un peu dans le bas. Voilà. Donc, elle avance bien. Bon, elle n'est pas terminée, hein, la grenouille. Il me reste à peu près 40% à faire. Donc, il y a encore du taf. Mais là, cette fois-ci, j'ai fait 360 croix. Voilà. Donc, Ludovic, si tu passes par là, j'arriverai pas à finir ma grenouille en même temps que toi. Coucou. Oui, Ludovic, c'est un de mes abonnés. Alors, lui, il a commencé la grenouille il n'y a pas longtemps, hein, il y a quelques semaines. Par contre, moi, j'ai commencé depuis beaucoup plus longtemps. Et en fin de compte, il l'aura fini avant moi. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je vous dis, il me reste à peu près 40% à faire dessus. Alors, vous voyez ce que je vous disais. Alors, on ne s'évanouit pas. Hein, faut pas vous évanouir. Mais moi, mes dos de broderie, de toute façon, je n'ai même pas peur de les montrer, ils sont moches de chez moches. J'ai déjà dû vous en montrer. Voilà. Oh là là, je suis sûre qu'il y en a qui crient. Mais c'est quoi ça? C'est du gaspillage de fil. Ouais, non, en point compté, je tire mes fils, c'est une horreur. Mais bon, voilà. Tant que ça ne se voit pas devant, c'est le principal. Alors là, je vous l'ai dit, hein, 360 croix pour celui-là. Du coup, je ne sais plus combien il m'en reste, mais il me reste un bon paquet de croix à faire. Je ne dois pas être loin des 4000 croix encore à faire. Donc, c'est encore costaud. Alors, Alors, normalement, il y en a 9390, voilà, et moi je suis arrivée à 5630, donc ça me fait, oh je calcule à la calculette, hein. Arrivé à une certaine heure, la tête elle veut plus, 9390 moins 5630, il me reste 3760 croix à faire. Alors, si je fais une moyenne de... Bon, je ne sais pas si je vais la broder toutes les semaines, c'est ça. On va essayer de compter une moyenne de 400. Ça fait 4 et 4 divisé par 400. Oui, c'est bon. Il faudrait que 9 semaines et demie encore. Ça fait chaud. Ça fait beaucoup encore, hein. Ouais, Ludovic, je suis pas là, près d'avoir fini.
Mais bon, à la différence de Ludovic, lui, il est mono en cours, ou à peu près. Voilà, je crois qu'il a pas, doit avoir 2 en cours. Voilà. Moi, vous avez vu mon nombre d'en cours la semaine dernière. Donc, c'est compliqué. Je sais qu'il y a des brodeuses qui ne comprennent pas qu'on ait autant d'en cours. Voilà. Pourquoi on n'en fait pas? J'ai déjà eu une fois un commentaire comme ça, un commentaire gentil, hein, je vous rassure. J'ai eu une fois un commentaire comme ça, mais pourquoi tu ne fais pas une broderie à la fois? Est-ce qu'on finit plus vite? Ouais, mais bon. C'est comme ça. C'est vrai que si on fait une broderie à la fois, bon, bah. Mais si je ferais une broderie à la fois, je pense que je m'ennuierais. Voilà. Bon, là, par contre, en ce moment, je suis débordée. Mais si j'en faisais qu'une à la fois, je crois que je m'ennuierais. Mais bon. Ma belle-fille, par contre, bon, il n'y a pas longtemps qu'elle brode, hein, ça fait 2 ans. Hein. Elle, c'est une broderie à la fois. Elle ne veut pas en faire d'autres. Bon, elle travaille aussi, tout, donc après il y a les enfants et tout, donc c'est un peu plus compliqué d'avoir beaucoup d'encours. Bon, je sais que certaines d'entre vous travaillent et elles ont plusieurs encours, hein, donc, mais voilà. Alors, ensuite, ma broderie, alors le Halloween Quaker. Voilà, que je fais avec une partie. Alors, je suis en train de. Je sais que ça va. Si Geneviève passe par là, elle va rigoler. Alors, je le fais avec Sonia, donc de la boutique. De la boutique. De la chaîne Diamant Rose. Je le fais avec Pascal. J'ai oublié le nom de la chaîne. Mais ils sont en barre d'infos. Sonia. Geneviève. Voilà. Rigole pas, Geneviève. Je te vois. Et je pense que c'est tout. On est quatre. Ouais, on est quatre à le faire. Voilà. Donc, c'est le Halloween Quaker. Alors, en retard, hein, comme d'hab, mais ça, vous avez l'habitude. Alors, ma sorcière est terminée. Voilà, j'ai fait les petits oiseaux, là, ou chauves-souris, ou je sais pas quoi. Et j'ai commencé ici mon motif. Mais, comme d'hab, je me suis trompée, donc faut que je démonte cette petite fleur là. Voilà, ça faut que je démonte et que je descende un rang ou deux rangs, je crois. Voilà, mais bon, donc voilà ma sorcière bien-aimée. Alors, c'est sur du lin aussi. Donc là, par contre, c'est. Là, j'ai le nom. Là, j'ai le nom. Normalement. Ah oui. Alors, ici, c'est une toile de lin. Ah, bah, c'est la même chose, l'autre, mais c'est la couleur que je n'ai plus vous dire. Donc, la toile de lin d'avant et celle-ci, c'est une toile de lin 16 fils Newcastle Zegart. Alors, je crois que c'est Newcastle aussi, la deuxième. Et ici, par contre, c'est la vintage marron. Voilà. Mais très agréable à broder. Voilà. Alors, je fais avec du coton DMC mouliné normal. Et je fais aussi avec du fil étoile. Voilà. Donc, la lune est faite en fil étoile blanc. La robe de la sorcière est faite en fil étoile noir.
Et son chapeau, alors j'ai encore oublié le nom, mais c'est ah, vous voyez pas comme ça. C'est de fil, vous savez que ça fait un peu mohair. De toute façon, il y a de la mohair dedans. Et là, j'ai utilisé le noir. Voilà. Mais il faudrait que je le gratte un petit peu plus parce que le mohair, il ressort pas bien là. Mais bon, je fais avec une petite brosse à dents, je pense. Voilà. Alors là, on voit pas bien les yeux là, des petites chauves-souris, mais bon. Alors ici. Deux cent quatre-vingts croix. Voilà. Donc je suis à 8,57%. Allez, il va bien. Ensuite, donc celle-ci, je vous l'ai montrée. Et je vous ai montré la grenouille. Voilà. Aujourd'hui, j'ai brodé que cet après-midi, puisque je vous dis, bah, ce matin, il y avait des courses, tout ça. J'ai sorti mon Caroline Manning, donc c'est le Garden Gift. Voilà. Ah, voilà, là on voit bien les couleurs. Il est trop beau. Alors, ce que j'avais décidé, non, mais je vous avais déjà expliqué plusieurs fois, c'est une couverture totale. Voilà. C'est une couverture totale, c'est-à-dire qu'on brode tout, même le fond. Et je continue à dire. Excusez-moi. Oh, pardon. Je suis fatiguée. Je continue à dire que je ne brode pas le fond. Voilà. Donc, tout le fond qui va être fait en 38-65, je ne le brode pas. Je vous montre. Voilà. Et vous voyez. C'est vrai, ça ne me choque pas du tout, voilà, de ne pas broder le fond. Au contraire, j'aime de plus en plus cette façon de faire. Non, le fond va trop, j'ai déjà dit, hein, je me répète, je suis désolée, mais le fond va, si on le brode, ça va trop alourdir la broderie. Parce qu'il va y avoir du point arrière à faire également, et le point arrière se fait sur le fond. Non. Non, on va rester comme ça. Je sais que bon, j'ai quelqu'un sur mon groupe qui l'a brodé, qui est en train de le broder, pardon. J'en ai une autre qui l'a fini, mais je ne sais plus si elle a fait le fond ou pas. Mais j'en ai une autre qui est en train de le faire et qui fait le fond. Mais moi, j'aime pas. Non. Bon, tous les goûts sont dans la nature. Hein. Voilà. Oui. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai fait toute cette partie ici. Voilà. Là, là. J'ai fini la fleur qui était là. Puis, c'est tout. Et puis il y avait une bordure. Là, alors, je ne sais pas si vous voyez beaucoup. C'est une croix verte, une croix rose. Voilà. On ne voit pas beaucoup là. Donc voilà, vous voyez, les points arrière, les voilà. Vous voyez, c'est ça. On a un petit peu partout. Et du coup, non, je ne veux pas faire le fond. Ce sera très bien. Ce sera ça de moins à broder. Non, mais c'est parce que moi j'aime comme ça. Alors, le Caroline Manning, j'ai fait 380 croix. Voilà, et j'en suis arrivée à 15,56%. En tout, j'ai fait 1715 croix. Voilà. Hop.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, ça, c'est à mettre dans une pochette que je n'ai pas mis. Mon duo que je fais avec Céline. Voilà. Alors, on avance tout doucement. C'est normal parce qu'on ne fait que 4 cases par semaine. Donc là, moi, j'ai brodé ça. Donc, c'est petit endroit. Voilà. Alors, en espérant que les photos se mettront bien sur ma vidéo, je vous aurai normalement mis la photo de la broderie de Céline. Donc, on ne fait pas la même. Mais c'est toutes les deux un lily point sur le thème du chat. Voilà. Donc moi, c'est Marron Thérapie. Et Céline, je ne sais plus le titre, mais je vous mettrai également la photo. Voilà. Très agréable à faire. Donc ça, c'est une étamine 12 points 6 fils, comme d'habitude. Et donc, vous voyez, c'est un Vichy gris. J'aime beaucoup. Alors, j'ai une fille sur mon groupe, une abonnée à mon groupe, qui le fait aussi, mais elle a changé les couleurs. Ça fait très beau également. Si j'y pense, j'essaierai de récupérer la photo pour vous la montrer. Voilà, juste une seconde. Me revoilà, je suis désolée, j'ai dû éteindre le ventilo parce que mes yeux n'en pouvaient plus. Donc, j'en étais où? Oui, alors la suite. Alors, je n'ai plus que deux broderies à vous montrer. Vous voyez, j'ai pas beaucoup travaillé sur cette semaine. Mais bon, ça ira mieux la semaine prochaine. Alors, j'ai avancé... mes ours de Noël. Oh, j'ai pas piqué mon aiguille. Voilà. J'ai avancé mes ours de Noël. C'est un sale que moi j'organise. C'est un modèle de chez All Forest. C'est ce modèle-là. Voilà. Donc c'est un modèle gratuit. Donc je l'organise sur mon groupe. Et moi, j'ai avancé, mais je n'ai pas encore terminé. J'en ai qui ont déjà fini l'étape de ce mois-ci. Mais moi, pas encore. Mais il me reste la tête à faire. Désolée encore, mais j'entendais crier dehors. Je crois que c'est des voisins qui se disputent. donc, ouais, il me reste la tête à faire et la couronne de fleurs qui est autour. Et terminé, avancé ici. Comment? Ça, ce dessin-là et la moitié du sapin. Voilà. Bon, j'espère. De toute façon, là, on est quoi? 20-21. Donc, il me reste... une bonne semaine et 1, 2, 3 jours. Donc, il me reste une dizaine de jours pour terminer. Donc, ça devrait aller. Voilà. Alors, ça, c'est pareil. C'est sur une toile étamine 12.6 fils. Ça, c'est une toile de la boutique Tom et Lily Création que l'on trouve sur Internet. C'est une toile. J'avais gagné un lot. Et donc, ça, c'est une toile du lot. C'est une couleur jean. Voilà. Donc, Fifi, bah oui, mais tu mets tes papates. Là, j'ai fait plus ou moins 250 croix, puisque là, c'est plus ou moins, puisque il n'est pas sur Pattern Keeper, celui-là. Je le fais sur papier. Voilà, mais ça avance. Dernière broderie, déjà. Bon, on est presque à 1 heure quand même. c'est
Alors, je l'ai mis. Non. Ah, voilà. C'est le sale de Julia, le rose cocon. Donc, c'est un modèle Old Forest également. Voilà. Alors, dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Alors, j'ai fait la frise. Ah, ben voilà, c'est le mot que je cherchais. Frise. J'ai fait la frise qui est ici. Voilà. Donc, avec les petites citrouilles et puis les petites verdures et les petits bitonio là. Alors, l'agence, j'ai fait 358 croix. Voilà. J'arrive à la fin. Là, j'ai fait 81,26%. Donc, il me reste, bon, on va dire 18% à broder et elle sera terminée. J'aimerais bien, bon, je pense pas qu'elle sera finie la semaine prochaine, mais pour début août, elle devrait être terminée. Ça fera encore une broderie de moins. Voilà. Mais j'aime beaucoup également. Elle est très jolie. Donc là, j'ai déjà brodé combien? 10 259 croix quand même. Voilà. Non, mais elle est vraiment très jolie. Alors, quand vous prenez sur Old Forest, alors il vous donne soit les couleurs DMC, comme moi j'ai fait là, et il y a aussi des couleurs, alors je crois que c'est les couleurs de chez Old Forest, mais qui sont nuancées. Voilà, mais moi j'avais choisi de le faire avec du DMC, c'était tout aussi bien. Voilà. Donc j'ai bien avancé quand même là cette fois-ci. Voyez. Non, elle est chouette. J'aime beaucoup. Alors là, je voudrais bien trouver un cadre avec un tour marron. Mais bon, il n'y en a pas toujours chez Action. Donc je verrai bien à ce moment-là. Alors, niveau broderie, bah écoutez, moi je vous ai tout montré, donc je revérifie quand même. Voilà, ça c'est fait, montré, 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 montré. Oui, je vous ai tout montré. Mon challenge, vous savez que je fais un challenge perso toutes les semaines. Attends, tu veux y aller? Allez, voilà, vous voulez monter sur mon fauteuil. Yeah, hop. Je me fais un petit challenge perso toutes les semaines. Je me prévois de broder environ 3000 croix par semaine. Donc des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas, hein, ça se peut. Mais cette semaine, malgré que je n'ai pas sorti beaucoup de broderies, d'ailleurs tout ce qui est grande broderie, cette semaine, je n'en ai fait aucune. Je n'ai pas fait mes HAED, je n'ai pas fait mes pans royaux, je n'ai pas fait le sampler que je fais en duo avec Sonia. Parce que, bon, avec Sonia, elle a été partie en vacances une quinzaine de jours, donc elle n'avait pas pu broder comme elle le souhaitait. Et donc j'avais dit, moi je mets en stand-by cette semaine, comme ça tu peux rattraper les points que moi j'ai déjà brodés. Parce que je ne sais pas comment j'avais fait mon compte, mais arrivé à un moment, j'avais fait plus qu'elle. Mais bon. Donc là, ça y est, on est ex-aequo toutes les deux. Donc on va reprendre notre broderie à partir de lundi. Et là, du coup, on a décidé de faire 300 croix par semaine. Voilà, pile poil. Elle m'a dit pas 305, hein, 300. Promis, Sonia, je ne ferai que 300. Donc, toutes les semaines, on fera 300 croix dessus. Donc, ouais, j'ai pas fait mes HAED, j'ai fait aucune grande broderie, pour vous dire. C'est tout à l'heure en m'installant pour faire ma vidéo. Je me suis aperçue que j'ai oublié de faire ma maison météo.
Et ça, bon, c'est un peu une obligation chaque semaine pour moi de le faire. Et ben, j'ai oublié. Ça y a demain, en faisant le montage de la vidéo, je ferai ma petite fenêtre de la semaine et ça ira très vite. J'en ai pour une demi-heure, trois quarts d'heure pour le faire. Voilà. Et puis, ce sera fait. J'aurai rattrapé mon. Enfin, je suis pas encore en retard, hein. La semaine s'arrête le dimanche, hein, donc voilà. Mais je l'ai oublié. J'ai oublié de la sortir, celle-là, et puis bon, c'est pas grave. Mais bon, le résultat de la semaine, c'est quand même que j'ai mon challenge, ben, je suis à 3582 croix. Donc j'ai largement dépassé mes 3000 points. J'ai fini une broderie. Voilà. Donc ça, c'est bien aussi. Puis voilà. Alors, le mois prochain, par contre, j'en démarre. Je vous avais dit, hein, je vais. Mais là, ça va être des petites broderies que je vais faire avec une de mes abonnées. C'est des petites broderies en estampé pour la cuisine. Voilà, c'est pour la cuisine. Mais il n'y a pas énormément de points dessus. Hein. C'est vraiment. C'est que du partiel, déjà d'une. Je vous les avais montrées hein, la semaine dernière. Donc, on commence au mois d'août. On fait une broderie par mois. Donc, il y en a quatre. Tout à moi j'en ai quatre. Elle en a six, je crois. Mais moi, je n'en fais que quatre. Voilà. Je crois que je vous en avais parlé la semaine dernière. Je ne sais plus. Là, je ne l'ai pas pris avec moi. La fleur. Donc je suis arrivée à la dernière broderie de la série. Il y en a 8. Et je vous avais expliqué que bah, la dernière, l'impression sur la toile est pourrie. Mais bien pourrie. Pourtant, c'est du Joy Sunday, mais bon, des fois, ça arrive. Hein. Là, je n'ai Bah, du coup, j'ai pas eu le temps cette semaine. J'avais dit, hein, je vais la laver et la faire en point compté. Mais j'ai pas encore eu le temps de vérifier. Vous savez, dans le colis que j'avais eu avec le petit problème que j'avais avec la boutique chinoise, là, dans le colis de la cliente qu'ils m'ont laissé, je sais qu'il y a une partie de cette série et je vais regarder s'il y a cette fleur-là. J'ai pas encore eu le temps de regarder. Et si là, par contre, l'impression est bien faite, bah, hop, je prendrai celle-là et voilà. Mais si vraiment elle n'y est pas, ben là je vais laver la toile et puis je vais la faire en point compté, tout simplement. Ensuite, alors, non, ce sera en octobre. Alors, est-ce que j'ai le. Je dois l'avoir là. En octobre. Alors, moi, la toile m'avait été offerte par un de mes abonnés. Te remercie encore beaucoup. Alors elle est où? Je crois qu'elle est là. Alors celle-là de toile, je vais la. Non, c'est pas celle-là. Vous allez voir que je l'ai pas sous la main, ça m'embêterait. Non, c'est pas celle-là. Oh là là, ça m'embête. Ah, c'est peut-être celle-là. Oui. Donc, on va la faire en duo, mais le duo va se transformer en trio. Et je sais, alors j'ai pas encore eu le temps de répondre au message d'Amélie. Je sais qu'elle m'a posé la question parce qu'il y a une administratrice de groupe qui me connaît et qui va organiser un sale avec ce modèle-là aussi. Donc, elle voulait savoir si ça ne me dérangeait pas. Ben non, moi ça me dérange pas du tout. Hein. Plus on est de fou, plus on s'amuse, comme on dit. Cette broderie va être organisée aussi en salle sur un autre groupe. Je ne sais plus le nom du groupe. Il faudrait. Attendez, je vais regarder si je trouve le nom qu'elle m'a dit.
Oui, Amélie, je t'ai pas... En plus, Amélie, elle m'a fait un grand message, mais j'ai pas encore eu le temps de lui répondre. Je vais lui répondre après la vidéo. Tic, 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 tic. Au fil de nos passions, voilà. Je sais pas si je suis inscrite à ce groupe d'ailleurs. Je suis inscrite à tellement de groupes sur Facebook, des fois je ne sais plus si j'y suis, si j'y suis pas. Et en plus, moi, je ne participe pas à tous les groupes. Bah, je dirais, j'ai pas le temps de participer à tous les groupes non plus. Avec les vidéos, mes broderies, la vie perso, mon groupe, enfin mes groupes. C'est vrai que je ne peux pas participer comme je voudrais à tous les groupes. Voilà. Donc là, c'est le groupe, je viens de vous le dire, Au fil de nos passions. Je crois que je suis inscrite. Voilà. Et justement, l'administratrice du groupe demandait si ça ne me dérangeait pas, moi, qu'elle organise en salle ce modèle. Mais non, ça ne me dérange pas, hein. Et moi, à la base, le modèle m'a été offert. Donc voilà. Donc c'est celui-ci. Voilà. Donc vous avez pu, si vous avez regardé Flosstube à Amélie, vous l'avez peut-être vu aussi, elle l'a montré. Donc voilà. C'est alors le nom. Le nom. Oh, j'arriverai pas à le redire. Knogglegs. Oh, je vous le montre. Voilà, là, le nom de la broderie est là. Et donc, c'est un modèle de chez Malcolm Watson. Alors, j'avais déjà essayé de broder une broderie de chez Malcolm Watson et je l'avais abandonnée, si vous vous rappelez. C'était celle-ci. Allez, hop. Peut-être qu'un jour je la reprendrai, hein, on ne sait jamais. Alors c'était celle-ci. Voilà. Enfin, de toute façon, c'est un achat ED, donc c'est pareil, c'est très long à broder. Mais je pense que... Alors je ne sais pas si je trouverai. Je ne sais pas si de l'étamine noire, ça existe. J'en ai jamais vu, je crois. Si je pouvais trouver de l'étamine noire, peut-être que je reprendrais cette broderie, mais c'est pas sûr. Voilà, parce que il y a, vous voyez, moi ce qui m'a embêté, voilà, c'est le noir là, là, et là, moi j'ai la version max couleur, donc c'est-à-dire qu'il y a 238 couleurs, et c'est ça qui m'a stoppé. Parce qu'il y a énormément de changements de couleurs pour un tout petit morceau. Et du coup, ça m'a bloqué. Et je l'ai abandonné. J'avais pas fait grand-chose. Hein. Mais du coup, je l'ai abandonné. Mais bon, je sais pas si un jour, on va dire, à mon âge aussi avancé, je ne peux plus non plus commencer. D'énormes broderies parce que je sais qu'elles ne seront jamais finies. Voilà. Par contre, le hibou, lui, c'est un 89 couleurs et il y a une bordure noire aussi, mais il n'y a que la bordure qui est en noir. Il y a, ouais, bon, il y a peut-être un petit peu de noir à droite, à gauche, mais presque rien, beaucoup moins que sur le chat. Vous voyez, donc là, il n'y a que la bordure autour. Qui est en noir. Alors, je ne sais pas si je l'avais déjà mis sur mon pattern keeper, je pense pas, pour regarder combien de rangs de noir il y a, mais je suis pas... Ah si, je l'ai déjà mis sur mon pattern keeper, tiens. Alors, allez, pourquoi elle n'était pas bien mise? Ah, voilà. Ouais, bon, ça va là. Vous voyez, là, il n'y a que du noir. Vous voyez? Voilà, ça, c'est le noir. Donc là, ça va.
Parce que le chat, il y avait du noir, le 310, et il y avait du bleu marine, vous savez, le 939, oui, 939, si je ne me trompe pas. Et j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ce mélange de couleurs. Alors, en plus, ça devait faire ça faisait comme un dessin, hein, mais on voyait rien. Le noir et ce bleu marine se fondent tous les deux. Donc, je ne comprenais pas pourquoi. Ou alors, si je me remettrais à faire le chat, faire que du noir, mais bon, je sais pas, je verrai. Tandis que là, bon, il y a moins de mélange de couleurs. Alors, je vais essayer de vous montrer un carré, comme ça, je ne montre pas toute la grille. Voilà. Vous voyez? Ici, vous avez une case. Et vous voyez, les mélanges de couleurs, enfin les mélanges de couleurs, oui, les changements de couleurs sont, on va dire, normaux. Voilà. Normaux. Normal. Normaux. Normaux. Je ne sais plus. Voilà. Donc, même si bon, je ne vais pas montrer plus de grilles, mais vous voyez, c'est quand même beaucoup plus clair. Alors que le chat, c'est une horreur. Si vous achetez un jour ce chat, faites attention au changement de couleur, parce que c'est... Alors, ça y est, c'est en train de bugger. Je profite pour boire un coup, tant que ça arrête de bugger. Ah, voilà. Alors, hop. Alors, voyez, là, vous voyez les diagonales. C'est du 939. Et le reste, c'est du 310. Alors, normalement, vous voyez, ça fait un dessin. Bon, là, j'ai pas la broderie sous la main, mais quand vous le brodez. Ben, vous ne les voyez pas les diagonales. Ou alors, il faut vraiment se mettre carrément en dessous de la lumière pour le voir, parce que sinon, on ne le voit pas. Et là, les changements de couleur. Alors, attendez. Oui. Oui, moi, voilà où j'en étais. Il y a beaucoup plus de changements de couleur, je trouve. Voilà. Donc j'avais pas fait grand chose hein. Là j'ai été à 641 croix. Vous voyez, là on le voit. Voilà ce que j'avais fait dessus seulement. Mais rien que ce carré-là, il y a énormément de changements de couleur. Et le 939, là il y en a partout dans le noir. Regardez, alors attendez, voilà, tout ce qui est jaune là, voyez, tout ça c'est du noir, et dedans, voyez les petits carrés noirs, c'est du 939. Voilà, voyez. Il y a énormément de noir dedans et du 939 de mélanger. Donc, ça m'a, et là, c'est pas encore le chat, hein. Là, on n'est pas encore, oui, ah ben là, vous voyez bien le dessin. Là, ce n'est pas encore le chat. Le chat, il arrive ici seulement. Vous voyez? On voit son oreille. Voyez? Donc, c'est du costaud quand même. Alors, du coup, je l'avais abandonné. Bah, peut-être qu'un jour, je le reprendrai. J'en sais rien. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Mais je vous dis, là, j'ai quand même. Alors, j'ai dans mes HAED. Il est où? Hop. Donc, j'ai celui-là que vous connaissez, puisque malheureusement, il est aussi copié sur les boutiques chinoises. Voilà. Donc, j'ai celui-là. Celui-là, il est bien avancé, si on peut dire ça comme ça. Hein. J'en suis à combien celui-là? J'ai fait 7000 croix à peu près, mais j'en suis seulement à 5%, à 5,16%.
En tout, celui-là, il a 135 150 croix à brûler. Oui. Et après, j'ai celui-ci, qui lui est plus petit. Voilà, la japonaise. Et elle, j'en suis. Là, j'ai pas beaucoup. Je sais que j'ai pas fait beaucoup. Je suis à 2886 croix. Mais bon, il y en a moins à broder, hein. Il y en a la moitié presque. Là, il y a 75 570 croix à faire. Donc celui-là est plus petit. Et après, alors c'est pas un HAED, la marque HAED, hein. Là, c'est un que moi, c'est une image que j'ai transformée en grille de broderie, mais qui est aussi grand qu'un HAED. C'est une couverture totale également. Voilà. Mais c'est pareil, là, j'ai pas beaucoup avancé dessus. J'en suis. J'ai fait de 2622 croix. Mais il y en a 120 275 à faire. Donc je suis à 2,18%. Voilà. Donc là, comme je vous le disais, le hibou du savoir, là, moi c'est le nom que je lui ai donné. C'est un peu comme Amélie a dit, c'est un peu un hibou sorcier, une sorcellerie. Ce sera le dernier HAED que je commencerai. Enfin, oui, je sais, Sonia, me tape pas, me tape pas. Je sais. Parce que mon petit gang des Québécoises, dont Sonia, veulent m'embarquer dans un autre HAED, mais qui commencerait en fin d'année, vers décembre, je crois, peut-être janvier, j'en sais rien. Enfin, je crois qu'il sort en décembre. Le modèle sort en décembre. Il n'est pas encore sorti. Là, du coup, je n'ai pas l'image. Je ne peux pas vous le montrer. C'est un modèle de M. Stewart, si je ne me trompe pas. Vous avez vu comment je fais pour allonger la vidéo? Alors, Amy Stewart. Alors, tic, tic, tic. Non, c'est pas là. Allez, oh. Classement par artiste. Voilà, c'est là. Alors, Amy Stewart. Stewart, Stewart. Donc, c'est plus loin. Stewart. Ah voilà, je suis dans les S normalement. Non, je suis pas dans les S. Oh. Bon bah alors, comment ils ont rangé ça? Je suis dans les M, donc le S c'est bien après. O, P. S. Bon, on rigole pas. Ah, voilà, je suis dans les S. Alors, Amy Stewart, elle est où? Stewart. Et voir que je vais pas la trouver. Ah, ça y est, je l'ai. Donc, elle a des modèles, mais alors, magnifiques, qui sont très connus. Mais alors, je pense que ça doit être que je peux voir là. Alors, je vais vous montrer le. Alors, le modèle qui va sortir en fin d'année, je vous en avais déjà parlé, hein. C'est dans la série des étagères. Donc, les étagères, c'est ça. Que je perds mes cheveux, moi, c'est une horreur.
Alors là, c'est l'étagère des brodeuses. Ouais, ça, c'est alors, ça va être un petit peu flou, peut-être pour vous, mais voilà, ça, c'est l'étagère des brodeuses. Voilà. Magnifique modèle, bien sûr. Et c'est pas celui-là que je cherche. Alors, les étagères, où sont les autres? Non, 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 non. C'est vrai qu'il y a des magnifiques modèles hein, chez elle. Il y en a que j'aime pas. On n'est pas obligé de tout aimer. Hein. Mais il y en a que j'aime beaucoup. Alors. Mais c'est des modèles. Là, il faut être mono en cours hein, pour faire. Ah ouais. Alors, c'est pas celui-là non plus. Ça, c'est une étagère, mais c'est pas celle-là. Non plus. Vous allez voir que je ne vais pas trouver ce que je veux vous montrer. Hein, ça, c'est quoi? Non, ça, c'est l'étagère du musée. L'étagère du musée, c'est avec quoi? Ah oui, oh, il est beau aussi, tiens, je n'avais pas fait attention. Regardez. Il est chouette aussi. Je crois qu'on ne le voit pas beaucoup celui-là. Pour toi, il est 2015. Mais bon, je n'avais pas encore vu. Alors, l'étagère du musée, c'est pas ça. J'arrive, hein, ne vous inquiétez pas. Ça c'est il était une fois un conte de fées donc c'est ça c'est pas encore celui-là ouais, qu'est-ce qu'il y a comme modèle chez cette créatrice va voir je vais arriver au bout j'aurais pas trouvé. Ou alors, ça va être la dernière. Alors, ça, c'est. Non, ça, c'est l'étagère avec la boutique. Là, c'est le royaume des animaux. Donc, c'est tous les animaux sauvages. Oh, ça m'énerve là que je trouve pas. Non. Bon, alors. Non. Non plus. Ah voilà. J'avais. Alors c'est pas celle que Sonia vous aurait confiée. Hein. C'est pas encore celle-là. Mais c'est le même modèle. À part qu'ici c'est des chiens. Et que celui qui va sortir en décembre, ce sera avec des chats. Voilà. Vous avez vu le taf? Vous avez vu le boulot qu'il y a à faire là-dessus? Donc, celui des chats, ce sera, je pense, à peu près la même chose. Hein. Et celui-là, c'est pareil. Je ne l'ai pas encore vu. Peut-être qu'il y en a qui le brodent, mais je n'ai pas encore vu broder. Mais. Ça va être du costaud, ça. Sonia, en décembre, j'aurai 61 ans. Hein. Au mois de novembre, j'aurai 61 ans. Donc, voilà. Va falloir calculer. Et puis, ouais, je sais pas. Bon, j'ai dit oui, hein, mais c'est un oui qui réfléchit encore. C'est un oui qui réfléchit encore. Je ne sais pas encore. Parce que. Oh mince, j'ai fermé la page, j'étais bête. Ah, attendez, je peux peut-être le retrouver là. Non, je peux plus. Ah si, c'est bon. Alors, c'est un modèle qui mesure. Ah mince, là, c'est le grand modèle. Ah ouais. Là, c'est. Oh! Ah ouais, non, si ça fait cette taille-là. Donc c'est
Celui-là, il fait 775 points sur 555. Donc, il y a 90 couleurs. Donc, je vais vous dire, alors, il y a, en grand format, il y a 80 pages. En format régulier, 74. Mais moi, je prends toujours en grand format, comme ça, c'est bien détaillé. Alors, du coup, on va se faire peur, hein. On va se faire peur. 775 multiplié par 555. Si je prends une étamine 12,6 fils comme d'habitude, que je mets 5 cm de marge. Voilà. Tadam. Ah ouais, non, non. Non, là, franchement. Bon, Sonia, si tu passes par là, franchement, si l'étagère des chats fait la même taille, je ne serais pas de la partie là. Franchement, j'y serais pas. Alors, je vous redis, si là, cette broderie, donc la version pour les chiens, elle fait 775 points sur 555 points. Si je fais sur de l'étamine, comme je fais d'habitude, sur de l'étamine 12,6 fils avec une marge de 5 cm, la broderie, vous êtes assis, soyez bien assis, elle fera 1,33 m sur 90, bon, sur 1 m, 98,09. Donc si j'arrondis, ouais, 1,34 m sur 1 m, voilà. Donc là, franchement, non. Là, je passerai mon tour. Là, franchement, je passerai mon tour. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop grand. C'est une broderie que je ne finirai jamais. Ça, je le sais. C'est malheureux parce que je pense que ce serait un joli modèle. C'est bien de le faire, mais quand on est plus jeune. Pour être sûr de le finir. Voilà. Je ne dis pas que je serai morte dans 5 ans. Hein. Non, hein. C'est pas ça. Mais bon, l'âge venant, moi déjà, j'ai pas une très bonne vue. Ça ne va pas s'arranger avec l'âge. Non, là, je ne peux pas faire une broderie de cette taille. Franchement, je ne peux pas. Donc, Sonia, je suis désolée, mais si c'est cette taille-là, ce sera non pour moi. Je ne le ferai pas. Voilà. Donc, c'est bien ce que je disais. Le hibou du savoir, ce sera ma dernière toile en HAED. Ce sera ma dernière broderie en HAED. Donc, à partir de maintenant, je ne regarde plus le site HAED. Non, là, non, non, c'est impossible. Faire une. Je me le mets pour mémoire. Non, non, là je peux pas, franchement, je ne peux pas faire une toile, une broderie de cette taille-là. En plus, même si j'arrivais à la finir, ce qui ne sera pas le cas, je ne saurais pas quoi en faire. Aller encadrer une broderie de cette taille, non, c'est impossible. Enfin, si, c'est possible, on va chez un encadreur, il vous le fait. Mais non, en plus j'habite dans une petite maison, je ne peux pas mettre de broderie de cette taille-là sur mes murs, c'est impossible. Et non, je ne veux pas investir du temps, de l'argent dans une broderie que je sais qui ne sera jamais finie. Voilà, il arrive un moment où il faut être raisonnable. voilà, donc non, le hibou, ce sera le dernier HAED. Après sera terminé, je n'en ferai pas d'autres, je n'en téléchargerai pas d'autres, parce qu'en plus j'en ai plusieurs, hein, des HAED. J'ai vraiment plusieurs HAED que moi je voulais faire. Mais alors, je vais essayer de vous les montrer. Alors, il y a le e-book que vous venez de voir. Alors. Donc, il y avait celui-là aussi.
Mais il a le même problème que le chat. Celui-là, en plus, c'est Chouchou qui l'avait choisi. Donc, il a le même problème que le chat, vous voyez, au niveau du noir et tout. Et celui-là est pareil, 226 couleurs. Donc, pareil, ça, c'est terminé. Je ne fais plus, je ne veux plus faire avec autant de couleurs. Celui-là, c'est un que j'ai acheté il y a longtemps. Je le trouve magnifique. C'est de Joséphine Walle. Mais je le trouve vraiment magnifique. Mais 239 couleurs. Non. Regardez. Il est trop, trop, trop beau. J'adore le détail dans le chapeau. Regardez, dans le chapeau, ça fait un champ, des personnes, des personnages, tout. Il est vraiment trop beau celui-là. Mais je ne le ferai jamais, malheureusement. Et même la taille, hein, 609 sur 408. Donc, je ne veux plus faire de grande comme ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Bon, j'avais. Non, ce n'est pas celui-là. Ça, c'est un qu'on m'a offert. Bon, là, c'est un 90 couleurs. Mais bon, je ne sais pas. C'est pareil. Je ne suis pas sûre, hein, de le commander. C'est encore un Joséphine Walle. Voilà. Oui. Non, il faut que je. À un moment, il faut vraiment être raisonnable. Là, c'est dans tous ceux que j'avais achetés. Donc, ah, ça, c'est quoi? Je ne sais même pas. Ah, ça, on me l'avait offert aussi. Alors, lui, il est petit. Alors, il est tout simple, mais 90 couleurs. Mais regardez, il est tout petit. Mais il se fait sur une grande toile quand même. Mignon, hein? Il y a encore à la rigueur, peut-être un achat ED comme ça, pourquoi pas. Là, c'est de Chinapic. Pike ou Pic, c'est Sea Turtle Mama. Et j'avais eu celui-là aussi qu'on m'avait offert. Alors, 90 couleurs. Il se trouve choupinou, hein. Alors lui, je ne le vois pas sur une toile blanche, hein, par contre. Là, non, pas sur du blanc. Et j'avais eu quoi encore? Je sais qu'on m'en a offert souvent. Hein. Là, bon, c'est un petit modèle de Noël. Mais pareil, c'est 428 points sur 299, 88 couleurs. Mais voilà. Un petit gnome de Noël. Il est mignon, hein? Donc, je sais pas, peut-être un jour, les petits comme ça, peut-être qu'un jour je les ferai quand même. Mais après, j'ai des gratuits que j'avais téléchargés. Ah mince, où sont mes gratuits? Oh, j'ai perdu mes gratuits. Ah non, attendez, je sais où ils sont. Parce que les gratuits ne sont plus sur le site. Donc, en plus, si je les ai perdus. Voilà, ils sont dans mon achat, mon pattern keeper. Alors, celui-là, je l'avais commencé, c'est la toute première fois que j'ai fait du HAED. Je l'avais commencé et je suis partie en cacahuète dessus. Du coup, je l'avais abandonné, mais j'aime beaucoup, beaucoup ce modèle. Il est magnifique. Alors, on peut encore changer, hein, des fois. Si on n'est pas obligé de, par exemple, vous voyez, on peut découper, voilà, pour pas tout faire, pourquoi pas. Mais ah oui, il y en a un que les filles que j'avais dit que je commencerais avec les filles, mais bon. Alors il y avait celui-là. Ah mince, c'est pas le PDF que j'ai ouvert. Alors ça, c'était un gratuit aussi, mais il n'est plus gratuit sur le site. Je sais pas s'il y a encore. Mais je sais pas, il peut ne pas plaire à tout le monde celui-là. Ça, c'est sûr et certain. Mais je sais pas, j'avais flashé dessus. C'est de Albrecht Dürer. Regardez-moi ça. Je sais pas pourquoi. J'ai flashé dessus.
J'adore ce modèle, mais vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce modèle. Mais bon, c'est pareil. Là, par contre, il n'y a pas beaucoup de couleurs. 31, bah, vous aurez compris, hein, c'est que du noir et blanc. Enfin, des gris, du blanc. Et celui-là, c'est vrai que, je ne sais pas pourquoi, j'ai flashé dessus le premier jour que je l'ai vu. C'est Head of an Old Man. Bon, arrêtez de rigoler de mon accent anglais. Hein. Je sais, je parle anglais comme une vache espagnole. Et j'avais celui-ci. Mais bon, ce n'est pas mon préféré. Mais il était gratuit. Donc, je l'avais téléchargé. 90 couleurs. Voilà. Il est beau, hein. Je ne dis pas qu'il n'est pas beau. De toute façon, s'il ne serait pas beau, je ne l'aurais pas téléchargé. Mais ce n'est pas mon préféré. Voilà, il est joli. Donc, vous voyez, des achats, des journées. Mais voilà. Et donc, il est où celui que. Je sais pas où je l'ai mis. Ah, si, peut-être là. J'en ai partout des broderies, des grilles. Pourtant, j'essaye de mettre dans des dossiers. De. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Alors, hop. Alors, ça, c'est pareil, il y a Amélie qui le fait, il y a Sonia qui le fait ou qui va le faire. Mais c'est pareil, c'est un modèle. Alors, il vient pas du site HAED, mais c'est comme un HAED. Mais je ne me rappelle plus de quel site ça vient, ça. Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Mais voilà. Je vous l'ai déjà montré, je crois. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce modèle. Alors, Amélie, Sonia, tout ça ne vont pas faire le fond, tout blanc. Là, je suis d'accord avec elle. Il faut pas le faire. Voilà. Mais celui-là est vraiment très beau. Donc, j'ai aussi celui-là. Et celui-là, je ne sais plus combien il y a de couleurs. Je l'avais dit l'autre jour, je ne m'en rappelle plus. Je crois que c'était une soixantaine de couleurs. Je ne sais plus ce que je vous avais dit. Mais là, c'est un 357 points sur 516. Mais celui-là, voilà. À la place du Emma Stewart que Sonia veut faire, à choisir, je préfère faire celui-là parce que j'aurai peut-être plus de chances de le terminer que de faire une broderie de plus de 1,30 m. Non. Là, ok. Voilà. J'ai bien papoté. 1h36. Je vous dis, on va arriver aux 2h. J'ai encore les tricots à vous montrer. Voilà, niveau broderie, j'ai tout dit. Alors, je mets en pause une seconde, enfin, pour vous, un dixième de seconde. Moi, juste le temps de remettre mes broderies en place et de prendre mes tricots, et je vous montre la suite. Voilà, j'ai tout rangé. Ah, c'est l'expédition, hein, quand je fais la vidéo. Niveau tricot. Alors, je vais d'abord vous montrer. Le premier, et je vous expliquerai pour le deuxième. Le premier, c'est mon pull Armel. Voilà. Alors, est-ce que j'ai mis? Oui. Donc, j'ai bien avancé dessus. Donc là, je suis sur le devant. Hein. Vous vous rappelez que j'avais terminé le dos. Donc, je suis sur le devant. Voilà. Donc, voilà. J'avais mis mon petit anneau pour vous montrer où j'en étais. Donc j'ai fait 16 rangs. Voilà. Bah, celui-là, il va tout seul à faire. Hein. De toute façon, c'est un océan de jersey. Donc il n'y a pas de. Il n'y a rien de spécial. Et quand j'aurai fini devant, il y aura les manches, mais c'est des petites manches. Voilà, bah, comme mon t-shirt. C'est des petites manches comme mon t-shirt. Donc voilà. Sauf qu'il y aura un point spécieux. Il y aura des points spéciaux. Enfin, c'est des trous-trous. Et vous savez que moi, les trous-trous,
c'est pas trop ma tasse de thé. Donc, on verra. Si j'arrive à faire mes trous-trous, tant mieux. Si j'y arrive pas, jersey. Je ne m'embêterai pas. Donc, voilà. Voilà où j'en suis. Donc, celui-là, je le fais avec le fil. Allez, il y a là, celui-là. Le fil eucalyptus, donc c'est du 100% lyocell. Et c'est un fil. Oui, voilà, c'est le reste de ma pelote. Vous voyez, c'est tissé. C'est comme un fil tissé. Donc là, bah, j'ai bien avancé. Je vous dis, celui-là, il va vraiment bien faire. Donc ça va tout seul. Il est très souple, donc voilà. Donc celui-là, j'ai rien de spécial à dire à part que ben, ça se monte. Voilà. J'ai, avant d'arriver aux emmanchures, alors à la base, le modèle est fait pour 42 cm pour jusqu'ici, mais moi je fais 52. Ben, il faut que je cache mon bidou, hein. Donc voilà. Donc, il y aura 10 cm de plus. Alors, j'ai toujours pas fait de podcast tricot parce que, bon, là pour l'instant, tant que j'ai pas fini au moins un pull, ça, j'arrive, je fais pas mon podcast. Alors, ici, je pensais avoir pouvoir terminer le pull de chouchou. Vous voyez, il était presque terminé. Hein, les emmanchures étaient faites, tout, le montage est fait. Et il me restait le col. Je vous ai expliqué, je crois, la semaine dernière, que j'avais déjà essayé de faire le col une première fois en prenant mes mailles. Et j'y suis pas arrivée. Ça. Je sais pas, j'ai bidouillé. Il y a un truc qui n'allait pas. Donc j'ai tricoté le col à part, comme c'est marqué dans le modèle. Sauf que, alors je ne sais pas si c'est une erreur dans le patron. Alors j'essaye de vous. Je vais enlever l'aiguille. Sauf que il me demande de faire 161 mailles. C'est ce que j'ai fait. De prendre les aiguilles 2,5, c'est ce que j'ai fait. J'ai cousu déjà. Alors, attendez, je vais peut-être vous rapprocher et vous baisser. Voilà. J'ai cousu déjà une bonne partie du col. Donc jusque-là, tout va bien. Sauf que, regardez ce qui reste. Il me reste ça. Donc, si je le mets. Alors, attendez, on va essayer de mettre ça à peu près. Voilà où j'arrive à peu près. Il me manque ça. Il me manque un bon 10-12 cm. Voilà. Du coup, j'ai pas pu le finir, hein. Donc, ben là, je vais le redécoudre, encore une fois. Je vais le redécoudre. Et vous voyez, si je me mets là, ça va. Mais non, mais l'épaule, elle est là. Donc, je vais le retirer. Bon, je vais le détricoter pour pas perdre la laine, peut-être. Et je vais refaire. Alors, j'en ai qui me disent, ben, reprends en prenant les mailles directement sur le pull. Alors, l'autre fois, je l'avais fait, mais pour le tricoter. En aiguille circulaire mais en rond, et ici il y avait des diminutions à faire, vous savez, pour faire la pointe. Alors soit que je refais ça comme ça là à part, et dans ce cas-là, alors là 161 mailles, il me manque 10-12 cm, il faudrait que je sais pas combien, justement je sais pas combien. J'espère que vous allez pouvoir me répondre. Si, est-ce que si je fais 180 mailles, que
que j'en rajoute 20, j'arriverai là. J'aurai assez de ce qui me manque. Oui, dites-le-moi. Ou alors, je fais comme on m'a dit, comme j'avais fait la première fois, relever toutes mes mailles directement sur le pull. Je prends mes aiguilles circulaires, mais au lieu de le faire en rond et puis de diminution là, c'est ça hein, qui m'a perdu hein, la dernière fois. Je vais le faire en aller-retour et je m'arrangerai pour faire la pointe à la main, comme j'avais fait sur mon débardeur à moi. Pourtant, sur mon débardeur à moi, j'y suis arrivée. C'est ça le pire. Vous savez, l'oreiller blanc et vert. J'ai un truc à vous dire là-dessus. Il faudra que je vous le montre. Je ne l'ai pas là, mais peut-être que je vous montrerai la prochaine fois. Voilà. Alors, dites-moi combien de... Si je le refais, si je tricote le col à part, dites-moi environ combien de mailles je dois rajouter pour avoir mes 10-12 cm qui me manquent. En sachant que je tricote donc avec du 2,5, que c'est des côtes 1-1. Qu'est-ce que je peux encore vous dire d'autre? C'est tout, je crois. Voilà, moi je pense qu'il faudrait que je rajoute 20 mailles, mais je suis pas sûre. Alors, j'ai pas envie encore de refaire une bêtise, donc je vais attendre vos commentaires à tous avant de me remettre sur ce col et de enfin le terminer. C'est con, hein? Enfin, excusez-moi du mot. C'est cool parce que là, bon, là, il est nickel, hein. Il est propre, il est bien fait et tout. Donc, c'est juste que là, bah, il manque. Ou alors, je le fais en aiguille circulaire, mais dans ce cas-là, en aller-retour. Mais j'ai peur encore de... Voilà. Je pense que je vais le faire comme je l'ai fait là, le retricoter à part. Je pense que je vais faire le montage par contre. Parce que vous voyez, on dirait que ça tourne en plus. Alors je sais qu'une fois on m'avait dit de faire le montage avec une taille d'aiguille supérieure pour que ça soit moins serré. Donc comme je fais du 2,5, je vais peut-être monter mes mailles sur du 3 et après tricoter en 2,5. En sachant qu'en aiguille circulaire, je n'ai pas du 2,5. Donc là, les emmanchures ont été faites en 2,75. Et là, ça a été nickel. Hein. Là, j'ai pas eu de problème. J'ai monté les mailles directement sur le pull. Voilà, c'est pour ça. Là, j'y arrivais. Et au col, il n'y a pas moyen. J'y arrive pas. Et dans ce cas-là, ce serait du 2,75 si je le monte en aiguille circulaire. Par contre, en aiguille droite, je n'ai pas cette taille-là. J'ai 2,5 ou 3. Voilà. Alors, je pense que je vous dis, si je le fais comme ça, le col... Oui, maman, Larry. Si je fais le col tricoté à part, je vais monter en aiguille 3 et je vais continuer après avec mes aiguilles 2,5, comme c'est préconisé. Pour que mon premier rang soit moins serré. Parce que là, j'ai l'impression qu'en plus, il est trop serré. C'est compliqué. Je ne sais pas. Pourtant, je ne suis pas bête hein, en tricot. Enfin, je ne suis pas non plus une experte comme certaines d'entre vous. Mais voilà. Alors, j'attends. Par pitié, donnez-moi vos conseils. Dites-moi ce que je dois faire pour terminer ce foutu col. Parce que là, ça commence à me prendre le chou. Et j'ai pas envie de l'abandonner. Je suis arrivée au dernier morceau là. Après ça, c'est fini, il est fini, terminé. Donc ce serait bête que j'ai tricoté tout ce pull. Ben, en plus, c'est pour chouchou. Et puis que je l'abandonne à cause d'un col. Voilà. Mais j'étais verte. Hein. Je vous jure, j'étais verte quand j'ai vu ça. Et ouais, regardez, j'ai beau. Alors, j'essaye de le mettre au mieux. Voilà. Voilà. Ma pointe est là et mon col arrive là. Donc, ouais, il manque un bon 10 cm. Voilà. Donc, est-ce qu'en montant 180 mailles, ça irait? Si je fais mon premier rang
en aiguille 3 et que je termine, je fais le reste en 2,5, est-ce que ça va aussi? Et sinon, ben, si je dois le, si vous me proposez, vous me dites qu'il vaut mieux le faire en circulaire, moi, franchement, je le ferai en aller-retour et je me débrouillerai pour la pointe comme j'ai fait pour mon polo. C'était nickel là sur l'autre. Voilà. Et là, par contre, je pourrais le faire en 2,75 comme j'ai fait les emmanchures. Mais le modèle, c'est du 2,5, hein. Mais bon, j'avais pas, donc j'avais pris 2,75. Voilà. Je suis verte. Oh, passe pipi. Pas pour moi, hein. Pour les poilus. Allez, j'arrive tout de suite, comme ça pendant ce temps-là, vous réfléchissez. Voilà, bah, ça a été vite parce que, je sais pas, il y a un feu d'artifice quelque part. On le voit pas, mais on l'entend. Donc, bah, ils ont aboyé et moi, il est 11h15 du soir. Pas question qu'on aboie pour réveiller les voisins. donc, voilà. Alors, dites-moi au mieux ce que je dois faire. Que ça m'embête, j'ai vraiment pas envie de l'abandonner à cause de ce col, mais je vous dis, j'étais verte, mais verte, j'avais envie de tout balancer à travers la pièce. Voilà, et je vous dis, regardez, pourtant là, c'est bien, hein. Là, il est nickel, hein. Il est bien fait, mon col. Là. Alors voilà, alors je répète mes questions. Est-ce que je fais mon montage de maille sur une aiguille 3 et ensuite je continue, alors là je parle en aiguille droite, hein, et je continue en aiguille 2,5 comme c'est préconisé dans le patron. Donc dans ce cas-là, je fais le col à part comme j'avais fait là. Ou est-ce que je fais en circulaire? Y avait un moucheron. Mais dans ce cas-là, en circulaire, comme je n'ai pas de 2,5, je le fais en 2,75. Bon, ça n'a pas posé problème pour les emmanchures, donc jusque-là, ça va. Sauf que là, le col, comme c'est un col en pointe, je n'arrive pas à le faire comme ça, d'une pièce. Donc, je le ferai en aller-retour. Voilà. Bon. J'attends vos réponses. Là, bon, je vais démonter quand même le col, hein, puisque là, bah, de toute façon, il sert à rien. Je vais le démonter. Et moi, j'attends vos commentaires, vos conseils pour, bah, pour refaire ce col et enfin finir ce pull. Voilà, au moins, je pourrais dire que j'ai terminé un pull. Mais sinon, vous voyez, il est top, hein. Il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de. Il est régulier, hein. Bon, là, on voit des fois des petites bosses. Mais ça, quand je vais le bloquer, ça ne se verra plus. Ça va bien se tendre. De toute façon, je ne vais pas le tendre à l'excès non plus, hein. Parce que c'est une laine qui a. Qu'est-ce que je vous l'avais déjà dit, mais. Donc, c'est la. C'est la Calinou. Et donc la Calinou, elle a 75% d'acrylique et 25% de laine mérinos. Donc il n'y a pas énormément de laine, donc je ne vais pas le bloquer à mort. C'est juste pour qu'il prenne bien sa forme, puis que voilà. Sinon, il est nickel, il est régulier. Ouais. Il est vraiment régulier. Enfin, bon, je vais pas lancer des fleurs, mais hop, un peu plus. Mais voilà, vous voyez. Il est pas. Il est bien. Hein? Donc voilà. Alors, dites-moi, les tricoteuses, dites-moi ce que vous feriez. Dites-moi ce que vous me conseillez. Puis voilà. Au mieux. Là vraiment j'avais vraiment les boules. Alors quand j'aurai fini celui-là, je vais reprendre celui que j'avais mis un peu en stand-by. Alors ça c'est le dos. Hop, je vais vous montrer le devant.
Oh là là, il y a un bordel dans mon sac. En plus, vous avez vu, devant, il est... Va falloir que je range mon sac, hein, ou je mette un sac par ouvrage. Je crois que c'est mieux. Voilà. Ça, oh là, c'est tout chiffonné en plus, celui-là. Ça, c'est mon pull fil d'art. Voilà. Donc là, moi, j'étais arrivée, justement. Alors, premier trou-trou. C'est normal, là le plastron s'est fait avec des trous-trous. Bon, déjà, mon premier trou-trou, je ne le trouve pas vraiment top. Parce que, je sais pas, vous voyez, je sais pas si c'est normal. Alors, est-ce que j'arrive à vous le montrer? Oui, la maille du trou-trou, on dirait qu'elle est faite à l'envers. Là, on dirait que ça a été fait à l'envers. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Et puis on dirait que ça fait un défaut là. Vous voyez? Là, on la voit bien. La maille, elle est à l'envers. Alors pourquoi? J'en sais rien. Et là, vous voyez, ça fait comme un... Je sais pas. Ah, moi, les trucs trou-trou, j'aime pas. Et là, c'est bête parce que là, je suis au plastron. Donc le devant est presque terminé. Enfin, presque. L'emmanchure, elle est où là-dessus? Ah bah elle est là. Ouais, donc l'emmanchure est là. Voilà. Bon, à peu près. Hein. Voilà. Vous voyez où je suis. Donc il y a le plastron. Donc c'est un col rond. Ah, c'est bien les cols ronds. C'est mieux. Voilà. Donc c'est à peu près là. Hein. Vous voyez, bon, j'ai mon aisselle. Ouais, à peu près. Voilà, donc il me reste le plastron. Hop, voilà. Et ça à faire. Et après les manches. Bon, les manches, c'est du jersey, ça va tout seul. Il n'y a pas de souci. Voilà. Mais donc le motif du plastron commence ici. Bah, juste, vous voyez, au creux de la poitrine. Voilà. Ça commence là. Hop, comme ça. Mais c'est des trous-trous. J'aime pas les trous-trous. Et en plus, là, c'est plus compliqué, enfin, plus compliqué, ouais, c'est français, bon, parce que c'est un motif qui monte comme ça. Donc, c'est un motif en pointe. J'aime pas ce qui est en pointe. voilà, ça monte comme ça, jusque-là. Et après, il y a le petit col, juste la bordure côte. Voilà. Pas, ou alors je fais pas les trous-trous là, je vais enlever les deux rangs. Je crois que ça fait deux rangs de défaut là. J'enlève les deux rangs. Sais pas si vous entendez le feu d'artifice. Sais pas si vous l'entendez. Je sais pas où c'est. Parce que chez dans ma ville, ils l'ont fait. Ah oui. Je vous ai pas mis le défilé. J'avais dit que je vous mettrais la vidéo du défilé du 14 juillet, enfin de la retraite au flambeau. C'était tellement nul. J'ai dit que je vous le mets pas. Si vous voulez le voir, il est sur mon Facebook. Ah ouais, c'était trop pourri. Donc ce que je disais. Ou alors je ne fais pas les trous-trous, comme je vous avais dit une fois, et je fais un genre, un point de riz, un point de blé, un genre comme ça, juste pour dire qu'il y a un petit plastron quand même. Ouais, parce que là, j'ai... Oh, c'est moche de moche. Je sais pas comment j'ai fait. De toute façon, je sais pas. Demandez-moi de faire des torsades. Les torsades, j'y arrive. Mais pas les trous-trous. Voilà. Donc là, il y a un, deux, ouais, j'ai deux rangs enlevés. Je vais glisser mon aiguille là. Et puis, je vais le démonter. En plus, j'aime pas démonter sur un tricot. Hein. Mais bon, voilà. Et sinon, vous voyez là, c'était super bien avancé. Bon, là, c'est pas urgent, c'est pas un pull pour maintenant, hein, c'est un pull pour l'hiver, ça. Hein. Donc voilà, c'est quoi ça? Ah, c'est une peluche. Oui.
Donc voilà. Alors lui, il est tricoté avec. Est-ce que j'ai encore un truc là? Non, c'est pas celui-là. Je sais pas si j'ai. Ah, si, j'ai une pelote. Allez! Oh là 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 là! Bon, il faut changer. Je mets un modèle par sac. Alors, c'est un modèle fil d'art, mais je tricote avec du pingouin Bingo First. Voilà. Et c'est un modèle extrait de ce livre. Voilà. Tricot pour les rondes. Voilà. Et alors, quand je serai à jour sur ces trois pulls-là, il faut que je reprenne le pull. Alors, il est où? Il est là. Alors, je vous remontre la photo. Voilà, celui-là. Il n'est pas terminé. Alors, j'avais remarqué, ou alors c'est moi qui me trompe, quand je regarde la photo, peut-être que c'est moi qui me trompe. J'ai l'impression que. Donc j'avais déjà fait, alors le dos, hein, le dos est fait, bien sûr. Et j'avais, pour ainsi dire, terminé cette première partie ici. Et donc j'étais arrivée là normalement. Mais j'avais l'impression que j'avais trop de mailles là. Du reste, quand je réfléchis, s'il me reste trop de mailles, bon, si c'est pas énorme, si c'est 4-5 mailles en trop, ou même 6-7, c'est pas grave. Dans ce cas-là, je fais attention pour que j'ai le même nombre de mailles de l'autre côté, pour pas que ça fait bizarre. Et puis en fin de compte, du coup, ça permettra de resserrer un petit peu. Parce que bon, il est vraiment très. Bon, c'est un pull cache-cœur, hein. Mais là, il est vraiment très, 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 très décolleté. Très. Surtout là, au niveau des épaules. Donc, il faut que je termine celui-là. Et celui-là, c'est pareil, hein. J'avais fait. C'est avec le fil caresse. De chez Filda. Oh, c'est un bonheur ce fil. Il se tricote en petites aiguilles. Ah non, 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 je croyais que c'était plus. Non, bon, t'as fini ton ménage? Il se tricote en 3,5 et 4. 3,5 les cols, bien sûr, et 4 le corps. Ah ben non, je croyais que c'était des aiguilles plus fines. Donc celui-là, j'aurais bien le terminé aussi. Oh! Et on n'est plus au 14 juillet, hein? Ah, mais non, je sais ce que c'est. C'est la fête nationale en Belgique. Ouais. Moi, je suis à la frontière. C'est la fête nationale de la Belgique. C'est le feu d'artifice de Quiberin. Donc Quiberin, c'est la ville à côté de moi. Ça y est, j'ai trouvé. Bonne fête les Belges. Bon 21 juillet. Bah oui, il y a des Belges qui me regardent. Donc j'en profite. Ouais, donc voilà. Il faut que je revoie là où je suis. Parce que là, il n'est pas question que je démonte. Alors là, pas du tout. Parce que sinon, il va valser à la poubelle. Oui, non, je sais, je ne le ferai pas, mais bon, c'est une façon de dire. Voilà. Et comme ça, après, il me reste cette partie-là. Alors, cette partie-là, elle se tricote. On la démarre derrière ce morceau-là. On monte les mailles ici, le long des côtes, là, mais à l'intérieur. On va monter les mailles là. Cette partie-là ne se coupe pas, si vous voulez. On monte des mailles ici, et puis après, on le tricote. Voilà. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je voulais dire. Mais du coup, ouais, là, on va monter des mailles de l'intérieur pour faire la deuxième partie du pull. Et après, les manches. Mais ça, les manches, ça va tout seul. Hein. Ça, moi, je fais les manches, je prends les deux manches sur la même aiguille et puis hop, en avant, guingant. Donc voilà. Ah oui, celui-là, c'est un que j'ai prévu de faire aussi un jour. Un jour. C'est pour ça qu'il faudrait que
Ça y est, on a dépassé les 2 heures. Il faudrait que je réduis mes broderies, que j'en termine, mais que je ne recommence pas, pour que je puisse faire plus de tricot. Parce que là, c'est impossible de faire plus. Parce que ça, c'est un modèle que j'ai prévu aussi. Et j'ai d'autres modèles. J'ai la laine, j'ai tout, hein. J'ai même les boutons pour. J'ai tout pour le faire. Donc, il faut que je fasse quelque chose, que je m'active sur ma broderie pour en terminer tout ce qui est petit là. Et comme ça, il me resterait que les grandes déjà. Et de temps en temps, bon, je peux faire une petite quand même, hein, je dis. Mais voilà. Il faut que j'achète des bouchons pour mettre. J'ai des bouchons pour mettre. Mais bon, là, j'ai ça pour bloquer. Mais je voudrais des bouchons pour mettre là. J'en ai que j'avais acheté sur AliExpress, je crois. Je ne sais plus. Mais ils sont. Même avec mes plus grosses aiguilles, ils sont encore trop grands. Alors, pareil, si vous connaissez où je peux avoir des bouchons pour mettre là. Non! Vous venez d'aller dehors. C'est bon. Maman, elle crie. ouais, si vous savez où je peux avoir des bouchons, mais des bons, enfin des bons, et ceux qui s'adaptent vraiment bien aux aiguilles, je suis preneuse. Donc, voilà. Bon, écoutez, hein, avec tout ça, j'ai bien papoté. Et du coup, on est à 2h05, sans compter l'intro. Donc, je sais pas combien ça fait exactement, mais bon, on verra. Voilà. Écoutez, alors, j'attends vos conseils, j'attends vos commentaires, j'attends. Voilà. Alors, je sais, je suis très en retard dans les commentaires pour répondre, mais là, en ce moment, beaucoup, quand je réponds, je fais des phrases basiques. Bonjour, merci beaucoup, gros bisous. Sauf si on me pose une question, j'essaye d'y répondre, bien sûr. Mais ne vous vexez pas si je réponds basiquement comme ça. Mais ça prouve au moins que j'ai lu vos commentaires. Voilà. Et pour les commentaires qui sont en retard, bon, il y en a qui sont en retard de 3-4 mois. Donc c'est là, j'irai peut-être mettre des j'aime seulement. Je suis désolée. Mais j'ai des centaines de commentaires. C'est compliqué de rattraper le retard. Alors ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. J'essaye de faire au mieux, mais voilà. Donc ne m'en voulez pas. Promis, j'essaierai d'être régulière. Non, tu n'iras pas dehors. C'est un feu d'artifice, c'est tout. Non. Non. Et vas-y, avec tes grosses griffes. Gros pépère, je vous montre le gros pépère. Attendez, est-ce qu'on va savoir le montrer? Je vous montre. Ah, bien sûr, il s'en va. Tu veux pas te montrer? Pacha, et maman. Regarde. Regarde. Oh, dis Pacha, viens la maman. Oui, c'est mon Pacha. Voilà. Et mon chéri? Viens, chéri. Là, chéri, viens te montrer. Oh, tu vois, les timides. Bon, ils veulent pas. Ils font leur timide. Bon allez, maintenant, oups, désolée, je vous bouscule. Je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Alors, si vous ne voyez pas les photos que je vous ai dit que je mettrais, ne vous inquiétez pas, c'est que j'ai un petit souci en ce moment avec mon logiciel de montage. Peut-être que demain, ça ira, peut-être pas, mais donc, m'en tenez par rigueur si jamais il n'y a pas les photos. Allez, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et encore bonne fête aux Belges. Bisous, bisous.